Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale, c'est le grand jour. On est en live, on est 120 sur le live, c'est exceptionnel. C'est pas le record de la chaîne, mais c'est quand même un très très beau score, on va dire. Donc, merci à tous les viewers. D'ailleurs, j'en profite pour activer le chat qui est juste là. Donc tout le monde va vous faire un petit coucou, je vais retirer ça. Donc voilà. Et on va faire un petit coucou donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Donc on est en live, je me répète. Et donc on va invoquer enfin, voilà, on est samedi soir, j'ai tenu bon. J'ai pas voulu faire live avant parce que évidemment beaucoup de vidéastes ont fait leur live. Donc j'ai laissé la priorité. Hein, parce que bon, au moins comme ça, là voilà, 120 ça fait extrêmement plaisir. Donc avant de commencer, on va parler de 2-3 choses. Merci XCamp pour l'abonnement qui est derrière. Mais bah, bon, on le voit, c'est bon. Je vais parler de 2-3 trucs et après on invoque et on perdra pas de temps. On va a priori faire les 4 premiers paliers et en fonction de ce qui se passe, on fera peut-être la suite directement ou pas, on verra. Voilà, au moins les 4 premiers c'est sûr, mais après on verra. C'est sûr que j'irai jusqu'au bout. Hein. Donc si c'est pas maintenant, ce sera demain, mais j'irai jusqu'au bout, c'est sûr. Donc voilà. Alors parlons-en rapidement, parce que j'en ai déjà parlé avant, donc je vais pas trop m'étaler, mais concrètement, ce truc-là, c'est bien, pour résumer le truc, c'est bien, mais d'un côté, il y a quand même pas mal de carottes dans ce truc. Bon déjà, les points multi à coût réduit nous donnent moins de cartes, donc au final... En fait, là, tu gagnes une carte, là, t'en gagnes une aussi, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Ici, 40 DS, d'accord, merci, à quel moment j'ai dit le mot magique, enfin bref. Ici, 40 DS, bon, ok, 10 DS, on prend. La quatrième gratuite, j'ai rien à dire, très bien. Ici, 5 à 7, bon, bah là, non mais attends, c'est quoi ce bordel, là Non mais, attendez, je me fais troller, en fait, encore, là, pendant le... Je reprends, parce que là, attendez, mais je me fais troller de partout. Donc 5 à 7, il n'y a rien de spécial. La 8ème multi, on a un ticket SSR garanti. Bon, ça, c'est une bonne chose. Après, effectivement, on peut dropper potentiellement bah, des cartes qu'on veut pas. Hein, parce que bon, il y a quand même 7 cartes sur le détecteur. Donc, il y a moyen d'avoir un truc que tu ne veux pas. C'est un peu chaud d'avoir le Gogeta ou le Janemba. Mais on va pas cracher dessus, ça fait plaisir quand même. Hein. C'est quand même une bonne chose. Sur la Jap, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. J'espère qu'un jour on va arriver comme sur Naruto Blazing, à savoir le personnage du portail, même si j'y crois pas trop, à la fin des multis, mais bon, on verra bien. Et là, ce qui me gêne clairement, c'est ça. En fait, les tickets, t'as des tickets SSR garantis, donc tu peux en avoir que un ici, sachant que t'as l'un ou l'autre. Quand t'arrives à la 8ème, ça n'a rien à voir avec le portail sur lequel t'invoques. Et ici, tu as des portails, un grand merci, où t'as juste SR garantie, et puis voilà, 10%, rien de... Et le détecteur, on va aller le voir après, il y a 35 cartes sur le détecteur. Je crois à peu près. Donc c'est pas très intéressant. Et ce qui m'en ouf, c'est qu'ils auraient pu donner ces tickets dès le début. Lors des présents double fesses, les tickets, on les avait dès le début. Ils auraient pu en mettre là. Peut-être pas autant. Ici, tu en récupères 1 à 5. Ils auraient pu mettre 1 à 2, 1 à 3. Enfin, je sais pas. Mais c'est quand même abusé que tu dois attendre d'aller là pour les avoir. C'est n'importe quoi. Sachant que tu en récupères, je crois que c'est un de chaque par semaine. Ridicule. Donc ça, c'est vraiment une carotte. Et puis, ils auraient pu rajouter ces tickets-là. Ils auraient pu les remettre là. Et là, ça aurait poussé les gens vraiment à craquer de ouf, mais... Bref, donc passons... D'un côté, on prend, parce que sur la Jap, on va pas se plaindre, sur la Jap, y a rien. Y a pas ces trucs-là, t'as juste la multi offerte, et c'est tout. Mais tu as rien. Donc on va aller voir le coffre de Pilaf, qu'ils ont mis... Alors, bah, si ça veut bien fonctionner, parce que je sais pas pourquoi ils me mettent... D'accord. Bon, mais en fait, ils veulent pas nous afficher le truc de Pilaf tellement il est pourri. C'est bizarre, ça. En fait, tellement le pack est pourri, ils veulent pas nous le montrer. C'est un truc de ouf. Tu veux bien l'afficher? Bon, s'il veut pas le montrer, tant pis, mais... De toute façon, j'ai à peu près en tête ce qu'il y a dedans, hein, donc c'est pas grave. Hein. Ah! Ok. Donc voilà, donc 55 euros, tu te dis, mais... Mais il y a quoi dans ce truc? C'est un truc de ouf. Il y a quoi? Il y a 100 DS. Comment vous dire? Donc il y a un vieux Kai. Waouh, c'est bien. Hein. 2 sabliers. 3 statues. Des sphères. Et oui, c'est tout. Oui, oui. Oui, c'est tout. 55 euros pour un vieux Kai. Les sabliers, je les compte même pas. Tu peux les acheter chez Baba régulièrement. Les statues, j'en parle pas. Les ennemis, ça peut se farmer. Les sphères, très bien. Non, voilà, c'est sans commentaire. 55 euros. Bref, passons les gars. Passons, passons. C'est ridicule. Je vais pas commenter davantage. C'est une grosse blague. Alors avant de commencer, on va vite faire, regardez, donc voilà, il y a 2 portails SSR garantis. Ici,
Vous avez les mêmes Non mais attends, mais c'est quoi ce bordel là? Non mais à quel moment je dis pas le... Putain, c'est un truc de ouf, où je désactive ce machin, c'est chiant. Donc, tu as les mêmes cartes que sur le portail. Donc je vais recommencer après. Donc ok, très bien, ça va. Bon, voilà, un SSR garanti, évidemment. C'est sûr que si tu drops sur ton ticket, tu drops, par exemple, moi Omega je l'ai à 100%, si je l'ai sur le ticket, voilà, tu vois, je vais dégoûter. Bref, tu m'as compris. Ici, c'est avec les tickets qui ne sont pas SSR garantis. Donc tu dis, ah bah attends, c'est pareil. Ah oui, mais non, en fait. Parce qu'après, voilà, tu as tous les gods, machin, etc. Donc, autant te dire que pour dropper la carte que tu veux, sachant qu'il y a un hors-portail, hein, bien sûr, évidemment, c'est impossible. Alors, par contre, si je... Alors, autant je droppe rien sur les DS avec les multis, si je droppe lui sur un ticket, moi, ça me va très bien. Je ne l'ai pas, c'est ma carte préférée, je serais très content. Et donc là, c'est le même système, hein, donc voilà. En fait, ça, s'il donnerait des tickets à chaque multi, bon, j'aurais dit pourquoi pas, ça va. Mais là, clairement, non, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, alors, par rapport au détecteur, on va le commenter rapidement. Après, on va aller checker les cartes et on invoque, je vous le promets. Donc le nouveau Gogeta, on va en reparler après. Omega, donc, qu'ils ont remis, je vous l'avais dit depuis très très longtemps qu'ils allaient les remettre. Par contre, je pensais pas qu'ils allaient inverser, à savoir mettre Omega ici et Gogeta là-bas. Pourquoi? Bah ça c'est fait exprès encore une fois, hein, pour vous forcer à invoquer sur Gogeta et sur l'autre pour avoir le Gogeta SSJ4 également, hein, c'est fait exprès, n'en doutez pas. Ikari, j'ai pas de doublon, je prends. Alors oui, bon, évidemment lui je veux, lui j'ai qu'un doublon, pourquoi pas un deuxième. Lui, j'ai pas de doublon, je prends. Buan, j'ai qu'un doublon, je prends. Golden, j'ai deux doublons, non, enfin un, ok, pas plus. Parce qu'en fait, je me suis trompé, j'ai mal investi un doublon. Pourquoi Beerus? Beerus, je sais pas ce qu'il fout là. Franchement, ils auraient largement pu le retirer et mettre autre chose, je comprends pas. Sachant qu'à la place, il y avait Goku SSJ4, il y avait Goku Neo God Ange dessus. C'est ridicule. Le Gogeta, pourquoi pas, même si ça, c'est un peu du troll quand même. Et lui, on va en reparler après, le SR Omega. Et ici, bon, évidemment, Janemba, on va en reparler. Gogeta SSJ4, j'ai un doublon, je veux bien le deuxième. Kula, j'ai pas de doublon, j'aimerais beaucoup l'avoir. Toi, j'ai déjà un doublon, pourquoi pas, un seul. Lui, je ne l'ai pas, je serais très content de l'avoir. 100%, non merci. Et Janemba, il me manque un doublon, pourquoi pas. Alors, vite fait, ça va pas durer longtemps, mais je commente rapidement. Donc lui, en fait, on le drop en SR. Lui, j'en veux plein. J'en veux plein pour le mettre SP10 parce que c'est un bon support. Bon, je passe le leader, c'est un leader dragon maléfique, mais c'est pas ouf. Dégâts colossaux, 10 000 ADF, qui plus 2 attaques, plus 25% pour les types AJ et Tech. Pour ma team extrême AJ, c'est très bien. Il a des excellents liens, comme vous pouvez le voir. Cruel, peur et désespoir, tout ça. Il a même Big Bad Bosses. GT, tout ça, ça va proc avec vitesse époustouflante avec le Super C17. Combat acharné, alors que c'est un SSR. C'est curieux, mais c'est comme ça. Bon, les stats sont pas ouf, mais c'est un très bon support. Il a des très bons liens. Donc j'aimerais beaucoup le dropper plein de fois. Pareil pour Janemba. Tu peux monter l'aspect du Neo God avec, ou même de l'intelligence. Mais j'aimerais en avoir plein pour le mettre P10. Par contre, dégâts énormes. Bon, pas ouf. Change les keys, attaque plus 20%. Pareil. Des liens de ouf, boss, vitesse époustouflante, Fear and Faith, combat acharné, les stats c'est pas ouf, mais on s'en fout, il est pas là pour ça. Donc donnez-moi en plein. Le Dokkan du Paikwan, dégâts colossaux, diminue fortement l'attaque, très très bien. Ki plus 3, attaque plus 7000 et défense plus 3000 en face d'un seul ennemi, très très bon Dokkan. Les liens c'est pas ouf ici, mais il a quand même vitesse époustouflante et Fierce Battle, évidemment, combat acharné, les stats sont corrects. Ensuite, on enchaîne avec les gros, enfin les plus gros personnages, évidemment. Janemba, évidemment, bon, leader, je passe, vous le connaissez tous. Dégâts immenses, diminue fortement la DF, attaque plus 80%, garde activée contre toutes les attaques et chance moyenne d'esquiver. Sachant que même si c'est chance moyenne, j'ai l'impression que c'est plus, enfin, sur les gameplays que j'ai pu voir, il esquive vraiment énormément. Donc c'est très très bon, même si, comme je l'ai dit, la team Extreme Puy, bah elle est bien, hein, mais quand t'as déjà les catégories, c'est pas forcément worth it. Même si le portail de Janemba est plus intéressant pour moi. Les liens. Les traditions. En fait là c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de lien. Boss, vitesse époustouflante, transformation pour la régène, cruel 10%, cauchemar 10%, Fear and Faith, Ki plus 2, combat acharné, c'est ce qui se fait de mieux là en termes de lien, c'est vraiment ouf. Les stats sont très bonnes. Et le seigneur Gogeta, évidemment, je passe le lead, dégâts immense, il debuff. Attaque extrêmement efficace contre tous les types comme le puissance. Attaque plus 120% au lieu de attaque plus 7000 pour le puissance, c'est sûr que c'est mieux. Les liens, c'est parfait. Super Saiyan, Paro Combat, Guerrier Vétéran, ça commence à se répandre. Guerrier Fusionné, Combat Décisif, Fierce Battle, des stats très intéressantes. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça envoie du lourd.
Donc sur ce, je mettrai un timecode dans la vidéo, évidemment, pour les invocations. Bah voilà, pile 10 minutes. Pile 10 minutes, c'est ce que je pensais à peu près. Parce que sérieux, donc sur ce, les gars, c'est parti. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, de soutien, de tout ce que vous voulez. Let's go. On commence sur Gogeta, pourquoi pas. Est-ce que j'alterne ou est-ce que je fais 1-2, 1-2 ? On commence avec un Shenron sur la multi à 3 cartes. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on alterne les deux ? Oula, il est un peu bugué le Kamehameha. Est-ce qu'on alterne les deux ? Ou est-ce qu'on fait tout d'un coup ? Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On alterne ou... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Est-ce que le troll commence ? Une vidèle intelligence hein, que j'ai déjà et qui bah, sert pas grand chose. Hein. C'est dommage. Bon, c'est un SSR, c'est cool. Pour 3 cartes, je vais pas chialer, mais. Mais bon, voilà, sur un. J'aurais voulu autre chose. Je pense que vous comprenez. Je sais pas, voilà, Ikari, ce genre de choses, des doublons utiles. Mais bon. Tout d'un coup. C'est quoi le sabre derrière toi ? Bah c'est un sabre oula. Qui vient de Bleach. Oula oula. Oula oula. Putain mais pourquoi le Kamehameha est buggé comme ça là ? Enfin ça met 3 ans à se lancer, bon c'est pas grave mais... SSJ3 peut-être ? Non. Est-il possible vol ? Bon. Bon SSR sur 3 cartes on est content tu vois, c'est bien mais... Bon, est-ce qu'on peut avoir un SSR sur les 5 cartes ? Bon, avec une capsule, j'avoue que j'y crois pas trop, mais bon. On sait jamais, hein. Ah, merci. Envoie. J'en veux 9. Maintenant, j'en veux 10, en fait. J'en veux 10. Pour mettre SP10. Parce que mon Omega est déjà SP10, donc bon, j'en ai pas besoin. Allez, dernière carte. Et non, c'est un Guan Agi. Bon, qui peut monter l'aspect du Néo Support, mais... pas forcément utile. Moi, en même temps, sur une multi à 5 cartes, il faut pas trop demander. Quoique, j'ai quand même vu des trucs de ouf hein, sur certaines vidéos. Sur cette fameuse multi. Donc, on enchaîne avec la multi à 40, les amis. Espérons avoir quelque chose. Trunks Ikari ou autre chose. Et on n'a pas de Shenron. 5 potes. Ah, 7 capsules, les gars. 7 capsules, c'est SSR garantie, oui. En fait, sur le portail de Gogeta, à part Gogeta évidemment, que je veux en deuxième, je sais pas. Soit Trunks Ikari, Omega. Quoi qu'il arrive, c'est des doublons, mais. De où je sais pas. Ah, C17, ça je prends les C17, ils sont pas SP10. Mais super C17 tech et endurance, donc je veux bien des. Donne-moi des Omega là, donne-moi des Omega. Une Videl. Donne-moi des Omega, s'il te plaît. Freezer. Première forme. Bulma. Salut, je te passe ma lock, merci beaucoup. Kulilin. Là, décidément, le jeu veut garder le suspense. Hein. Goku, agilité SR qu'on connaît tous. Encore lui, c'est la rare, je crois qu'on est sur la dernière carte. Hein. Let's go. Voilà pourquoi je trouve ça complètement horrible qu'il soit sur le détecteur. Qu'est-ce qu'il fait là? Franchement. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce troll de l'espace? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Beerus? Franchement. Le mien SP10. Ouais, allez, un C17 pour finir, un C17 rare, c'est. Enfin, limite. Avoir un SSR garanti pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur Janemba ou est-ce qu'on enchaîne, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Vous en pensez quoi? GG ça. Ce troll. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on. Je sais pas. C'est quand même du troll, hein. Je veux dire, sur toutes les cartes qui sont sur le détecteur, c'est celle que je veux le moins. Évidemment, enfin après non, quoique Gogeta, il est déjà à 100%, donc j'en veux pas non plus, mais... qu'est-ce qu'on fait?
On va sur l'autre ou je sais pas. On garde la multi à la fin peut-être pour le suspense. Allez. On garde la multi. Donc là, clairement, à part Oméga Puissance, tout m'intéresse. À part Oméga Puissance, tout m'intéresse. Pas de Shenron sur la multi à 3. On est bientôt 200 sur élèves, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir pour le soutien. Non, non, bah du coup, on part sur Janemba, les amis. Un SSR, peut-être, non. Non. Ah, Janemba. Bah, deux mois, il m'en faut plein. Donc, envoie les Janemba. Ça me ferait plaisir. Plein de Janemba. Bon, fallait pas non plus trop demander sur une multi à 3. C'est pour ça que ces multi, je trouve qu'elles sont un peu limite. Parce que bon. Ok, rien du tout. Ça. Ouais. Alors, le problème, c'est que l'arc-en-ciel sur ce genre de portail, c'est un peu du troll. Parce que clairement, souvent, t'as l'arc-en-ciel pour le SR du détecteur, hein, clairement. Puis c'est un abo, merci Death Ghost. On va voir l'animation, je pense, après. Est-ce qu'on peut avoir un SSR sur ces 5 cartes? Parce que bon, 5 plus 3, ça fait quand même 8 cartes. 10%, j'aimerais bien aller voir les 10%. Salut, Murasada. C'est vrai que sur la globale, franchement, quand t'as pas de Shenron, t'as rien. Enfin, soit t'as une animation SSR garantie, soit tu n'as rien. 3 rares de SR. Bon. Ok. Pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Je veux dire, on a eu 2 SS. Attends. Oui, on a eu 2 SSR, une Videl et un virus du troll. Bon, bah on enchaîne les amis, allez, on reste positif, hein. allez, un Shenron SSR garanti, c'est très bien, mais il faudrait que ce soit le bon SSR, hein, à savoir Janemba, ou celle puissance, enfin je préfère Janemba, parce qu'en fait, si j'ai celle puissance mais que j'ai pas Janemba, en fait ça sert à rien, parce que je pourrais pas jouer la team, donc Janemba, celle puissance, voilà, c'est pas compliqué, et c'est un Végéta divin qui est hors détecteur, qui sert pas à grand chose, c'est cool. Enfin, c'est pas cool en fait, c'est pas cool du tout. Non mais j'ai pas oublié la gratuite les gars, on l'a fait à la fin. Très bien, super. En fait, dans ce genre de jeu, s'il n'y avait pas de hors portail, ce serait beaucoup plus simple en fait. Enfin, ce serait vraiment cool, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Oui, les tickets, on les fera après. On reste positif, hein, les amis, mais bon, j'avoue que... Ouais. Parce que là, quitte à pas me donner les persos, donne-moi au moins des doublons utiles, tu vois. Je sais pas. Oui, Janemba, oui, donne-moi en plus d'ailleurs. Parce que là, encore une fois, SSR garanti pour le Végéta divin tech qui sert à rien. C'est la douille, hein, quand même. Hein. Franchement, c'est la douille. Hein. Ouais, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça va finir. Hein. Voilà. Un Végéta divin hors portail. Bon, bah il nous reste les multi gratuites. Et après, il y aura les tickets ici, là. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais... Ah oui, il faut que je récupère la... Je récupère la mission, là. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf, hein, je vous dis de suite. Hein. C'est clair que ça fait pas rêver. Hein. Alors, on fait les tickets avant ou les multi? Tickets ou multi avant? À vous de voir, les amis. Tickets ou multi avant? Soit les multi, soit les tickets avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que les tickets, même si c'est un SSR, c'est chaud. C'est très très compliqué d'avoir ce que tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Tickets ou multi? Tickets, multi, tickets, multi. Tickets, multi, multi. Multi, ticket. Bon. Bon allez, allez. Alors les multi gratuites, par contre, dans les vidéos que j'ai pu voir, souvent c'est la carotte, hein. Ouais, bah ouais, bah je crois que je vais pas déroger à la règle. Hein. Ouais, j'ai l'impression que les multi gratuites, un peu comme dans Naruto Blazing, tu sais, les multi à 25, j'ai quand même l'impression que bizarrement le taux, on dirait qu'il est réduit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Alors, est-ce que le jeu va me faire mentir? Je suis pas sûr. Ouais, il va pas me faire mentir, j'ai l'impression, le jeu. On est 200 sur les lives, les gars. C'est oufissime. N'oubliez pas de vous abonner pour le soutien, parce que là, j'avoue que... Ouais, non mais... Clairement, les multi gratuites, c'est... Enfin... Non mais y a que dalle, quoi. Ah oui, après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Merci, merci Bandai Namco, hein, la multi gratuite, hein, elle est de qualité, hein, supérieure. Hein. Oh là là, magnifique. Ah là là, j'adore ça, franchement, je kiffe. Hein. Ah, c'est magnifique. Ah là, les gars, on est bien. Ah, on est bien, là. Franchement, là, le jeu, il me régale. Il me régale. Allez, let's go, on perd pas de temps. Est-ce qu'on peut avoir un Shenron sur Gogeta, s'il te plaît? Bah non, évidemment que non. Hein. La multi gratuite, de toute façon, voilà, hein, c'est le troll, hein. C'est J3? Non? Bon, ok. C'est... Bon, restons positifs. Hein. Mais là, j'avoue que, franchement, je m'attendais pas à ça. Hein. Enfin, à ce point-là, je m'attendais pas que ce soit à ce point-là, quand même. Enfin, là, clairement, y a rien, quoi. Y'a que dalle. Les multi-gratuites où y a rien. C'est bizarre, mais ça m'étonne pas, quoi. Voilà. C'est bien, hein. Merci le jeu. Waouh. Ah, c'est magnifique, hein. Ah là là, les multi-gratuites. Waouh, elles sont bien, les multi-gratuites, hein. Waouh, super les multi-gratuites, hein. Ah là là, on kiffe. Magnifique, hein. Waouh. Ah, les multi-gratuites. Ah ouais, elles sont de qualité, hein. C'est beau quand même, hein. Franchement, c'est beau. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je trouve ça magnifique. Bon, bah, enchaînons avec les tickets, hein. Et j'avoue que là, je comprends pas. Enfin, je veux dire, deux multi sur deux multi 0 SSR, comme par hasard, c'est des multi gratuites. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu bizarre. Et après, on va dire que les multi gratuites ne sont pas. Il n'y a pas le taux qui est réduit sur les multi gratuites. Franchement, j'y crois pas trop. Bah non, j'ai rien eu. J'ai eu. Enfin, si, j'ai eu Beerus. Voilà. Magnifique, hein. C'est magnifique. Là, j'avoue que je kiffe. Hein. Franchement. Magnifique. Non, mais la gratuite, elle est de qualité, mais supérieure. Hein. Franchement, c'est oufissime, quoi. C'est quand même bizarre, je sais pas. Sur deux multi, comme par hasard, il n'y a rien, quoi. Enfin, puis c'est bizarre, mais regardez les vidéos des différents vidéos. Souvent, sur la gratuite, il n'y a que dalle. Alors, pas tout le monde, hein, mais... Bon. Puis alors ces tickets qui sont complètement pourris là. Enfin, ils sont pourris, voilà. Même si t'as un SSR, pour avoir celui que tu veux, hein, bon courage. Hein. Là, tu me donnes le Goku Ange, j'oublie. J'oublie tout ce qui s'est passé avant. Si tu me donnes le Goku Ange, j'oublie tout. Voilà. Ok. Super. Non mais après c'est pas le cas de tout le monde les gars, mais quand même la plupart des vidéos que j'ai vues dans la multi gratuite souvent c'est le troll. Ouais non mais Antoine couleur ça fait un moment quand même, hein, ça commence à dater un peu. Hein. Après j'avoue que là la chance elle est clairement pas répartie, hein. Enfin il y en a ils drop de ouf et il y en a qui ont rien, voilà, il y en a qui ont rien. Et bah je crois que je vais faire partie de ceux qui ont rien. Bon bah on termine les tickets, hein, et puis voilà. Hein. 222 sur élève. Là par contre je crois qu'on a battu le record les amis. Est-ce qu'on peut avoir un SSR pour finir sur ce beau... Enfin sur ce nombre de viewers, ce serait cool. Ce serait déjà ça tu vois. Ouais je crois que j'ai cramé toute ma log sur Zama Black, ouais je pense. Ouais. Enfin bon après faut pas non plus déconner, hein. Sur autant d'invocations, enfin faut pas non plus abuser quoi. Bon bah ok. Ouais. Bon.
Bon bah je crois que hein, voilà. Hein. Oh, allez. SSJ1 pour finir, magnifique. Le troll ultime. Allez. Bon bah. Le sel est présent, hein, j'ai envie de dire que là, c'est magnifique. Ouais, c'est single, non mais. Ouais. Bah, je sais pas quoi faire parce que là, clairement, je suis dégoûté. En plus, enfin, clairement, si je voulais continuer, c'est si j'aurais eu des bonnes choses. Là j'ai eu que de la merde. Franchement, j'ai pas forcément envie de continuer. Hein. Quand tu vois ça, tu te dis que. Tu te dis qu'il faut arrêter, je pense. Hein. Clairement. Voilà. C'est bien, hein. 3 SSR hein, sur. On a cramé. Je sais pas. On a cramé 150 DS. Enfin, 70, donc 140 DS. 6 tickets. 3 SSR. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Mais c'est quand même. Voilà. C'est un peu abusé, quoi. Ah, mes tickets SSR garantis, je les ai pas. Faut aller jusqu'à. Jusqu'à 8. Pff, putain, ça me saoule, ça me saoule. Bon, on va refaire 150 DS sur Gogeta. Et puis en fonction de ce qui se passe, on verra si on fait la suite sur Janemba ou pas. Voilà. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, le ticket SSR garanti, ce qui est un peu emmerdant, c'est que. Comment dire? C'est qu'en fait, si t'invoques sur Gogeta, t'auras pas forcément le ticket Gogeta. Et c'est ça qui est un peu chiant en fait. C'est-à-dire que même si je continue, enfin j'aurais pas forcément un ticket SSR garanti sur Gogeta, alors que limite c'est celui-là qui m'intéresse le plus quand même. Sur mon Janemba, la team, je vais la jouer 2 minutes et après je vais arrêter quoi. Bon, désolé pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, du coup vous patientez un petit peu. Enfin, sur le live aussi, mais vous m'avez compris. Donc on va refaire les multis sur Gogeta et puis on va voir ce qui se passe, mais bon. Je pense pas que. Bah on va voir, restons positifs, faut rester positif parce que sinon c'est encore pire. Donc restons positifs les amis. Et espérons que le jeu nous respecte. Parce que les multi gratuites, bon bah ok, on a compris que Bandai Namco est multi gratuite. C'est le troll. Non, t'auras le ticket Gogeta, ah bon? Ah c'est obligé. Bah je croyais que t'avais le ticket. C'est pas compliqué, lui on le veut, lui oui un doublon, lui un doublon, non. C'est pas bien compliqué. Bon let's go. Allez, un Shenron s'il te plaît. 7 pods, 6 pods. 6 pods. Y'a pire que toi, dis-toi ça, ah bon. SSJ3, non. Y'a pire que moi, ah bon. Pod, est-ce qu'on peut avoir un SSR? SSR garanti, bah faut aller jusqu'à la 8ème multi. Bon, attendez, il y a 6 pods, on va. Tu peux me donner un SSR quand même. Ah, enfin! La malédiction se brise avec ce doublon Oméga qui est le très 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 bienvenu parce que j'ai déjà un doublon, mais avec un deuxième doublon, on va pouvoir mettre ça en haut à gauche et débloquer toutes les compétences. Enfin, quelque chose qui sert à quelque chose. Enfin, en même temps, enfin quelque chose parce que vu ce qu'on a eu dans la première partie. Merci, merci, ça fait plaisir. Voilà, un doublon qui va en haut à gauche, ça fait plaisir. Merci.
Et en plus, il vient à la dernière. Attention, il a failli nous troller. Je pense que là, c'est bon signe. Voilà, c'est le début. C'est le début de... D'accord, rien du tout. C'est le début de... Oui, bon, bah c'est le début de... Je sais pas, en fait. SSJ3. Ça serait global, le SSJ3... Alors le truc c'est que des fois t'as pas de, d'animation et t'as plein de trucs, mais j'avoue que sur la globale généralement c'est pas trop ça quoi. Quand y'a rien du tout j'avoue que ça craint. Salut Végéto, salut à tous hein, ceux qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner les gars pour le soutien. Allez, deux mois innécessaires quand même, c'est pas trop demandé 10% à moins que ce soit pas 10%. Ça, c'est un autre problème. D'ailleurs, mais attends, mais ça fait un bail qu'on n'a pas eu de Omega, je crois. Mais deux mois des Omega. Bah, ça craint. Ouais. Je vous dis, sur la globale, quand t'as pas d'animation, c'est pas bon. Quand t'as pas d'animation, c'est pas bon. C'est que clairement. Voilà, c'est pas bon signe. Merci pour ton abonnement, Wild One. Bienvenue. Ah, c'est parce qu'on n'a pas regardé sa spé, je crois, c'est pour ça. Non mais je sais pas quand même, abuse pas le jeu, attends. Omega c'est bien, ok je suis content mais pas que ça s'il te plaît. Bon allez on enchaîne, donne moi s'il te plaît un Shenron. Bah non. On a eu des Shenron, alors j'aime bien, putain deux pods. Pff, on a eu un Shenron sur les premières multis, c'est à 3 cartes etc. Et là, non pas de SSJ3 non. Envoie-moi des Omega, quand même, non, je sais pas. Il est sur le détecteur, donc non. Ça fait pas rêver, hein. Franchement, bah, de toute façon, deux pods. C'est... Ouais. D'accord. Donc on va être sur deux multi avec que dalle. Voilà. j'ai pas quoi vous dire, hein. Franchement, deux multi avec que dalle, ok. 10% de taux de drop. 10%. Ah bon. Ou alors, oui, c'est... Il y a une conspiration avec les comptes au level, du coup, le taux de drop est réduit, je sais pas, mais enfin... Merci Brian pour l'abonnement, pour le soutien. Bon, bah, partons pour la dernière, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Est-ce qu'on peut avoir un Shenron pour la dernière multi, hein, histoire de se rassurer? Oui. Sur la gratuite en plus, oh là là. Après, après tant de multi-invocations. Enfin, un SSR. Est-ce qu'on peut avoir 3 SSR? Bah oui, oui. 10%, donc non, la roue tourne. Donc on a 3 SSR. Normalement, c'est ça le deal. Moi, tu me donnes juste un Gogeta, c'est bon. Moi, ça me va. Je suis content. C'est très bien. Donne-moi... un Gogeta. Et c'est bon, c'est pardonné. Tout est pardonné, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ça ira très bien. Est-ce qu'on part pour une seule SSR? Oula. Allez, 3 SSR. Omega, je prends. 3 SSR. C'est pas possible. Voilà. Fait de façon, voilà, hein, de façon, comme je vous l'ai déjà dit, hein, le hors-portail, en fait, c'est ce qui tue ces jeux-là, en fait. Il n'y aurait pas de hors-portail. Parce que là, en fait, tu t'invoques pour des cartes et en fait, t'en drops d'autres et bah, ça sert à rien, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais. Bah, je sais pas quoi vous dire, hein, franchement, c'est une grosse blague. Voilà. Super. Magnifique. Bah ouais, ouais, ticket garanti. J'ai limite peur de le claquer, le ticket garanti. Tellement ça craint, quoi. Franchement, j'ai peur. Hein. Franchement, je vous cache pas que j'ai un peu peur.
pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Pas dit. Hein. Merci Vegeta. Non, non, il n'y a pas de bug, les gars, c'est normal. Bon, bah, on va tout faire pendant ce live, hein, finalement. Comme ça, ce sera fait, hein, voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Tant pis. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ce sera une vidéo qui sera assez longue, hein, du coup, désolé les gars, mais bon, c'est comme ça. Hein. On garde le ticket pour la fin, et on part sur Janemba, let's go. Si on peut au moins dropper Janemba, doublon Gogeta SJ4, pas de Shenron évidemment, ça tend sur la droite. Non, il n'y a pas de bug les gars, il n'y a pas de bug. Si on peut dropper... ou alors le sel, je l'ai pas. Sel, sel. Mais moi, Bandai Namco, je l'aurais rien fait, tu vois. Je sais pas, je l'aurais rien dit. Hein. Ouais, Janemba, c'est bien. Je sais pas, au moins un des deux, non je... C'est trop demandé. Est-ce que c'est trop demandé d'avoir un des deux? Est-ce qu'on part pour une multi avec 0 SSR? Non, mais. C'est affolant quand même. Hein. Enfin, je sais pas, mais en fait, quand t'as une ou deux multi où y'a rien, bon, ok, tu vois. Mais là, ça commence à faire beaucoup quand même, là. Là, ça commence à faire combien de multi sans rien? Donc tu te poses des questions quand même, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? C'est 10% ou c'est pas 10%? Parce que là, enfin, attendez, on a claqué combien de multi sans SSR, là? Après, je sais que je n'ai pas de chance en multi, mais quand même. C'est quand même affolant. Je sais pas, hein, je demande, hein, mais... Non, toujours pas de Shenron, hein, deux pods, non mais c'est un truc de ouf. C'est impressionnant quand même. Hein. Non mais... Attends, mais... Est-ce qu'on peut avoir un SSR? Je sais pas, c'est 10%. Non mais on va pas faire de single, il faut le ticket. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces invocations? Mais non! Et voilà, non mais... C'est pas possible. Et là, vous allez me dire qu'il n'y a pas... Non mais franchement, quand je vois ça... Ça me fait vraiment penser que les trucs sont truqués. Non mais la seule carte du détecteur qui est à 100%, toutes les autres, j'en ai besoin, il me donne celle que j'ai à 100%. Mais c'est un truc de malade. Je l'ai déjà à 100%, c'est la seule que j'ai. Arrête de rager, El Matador. Eh ben écoute, très bonne journée, salut. Non mais attends, non mais c'est la seule carte que j'ai à 100%. Toutes les autres, je ne les ai pas. Je sais pas, j'avoue que... Pff. Allez, Minato, salut aussi. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui comprennent rien. Oui, je me plains, oui, bah oui, parce que tout le monde se plaint, mais bon, oui. Parce que c'est chiant quand tu vois ce genre de truc, c'est juste, voilà, t'es dégoûté, c'est tout, donc oui, évidemment. Bah si, les gens qui font des commentaires inutiles comme ça, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Hein. Bon, là, on a eu 2 SSR. C'est bien 2 SSR, hein, j'avoue. Mais c'est pas ce qu'on veut. Hein. Et le problème, c'est que là, dans... encore quand il n'y a qu'une carte que tu veux, tu peux pas trop rager. Parce qu'une carte, voilà, c'est chaud. Mais là, toutes les cartes m'intéressent, sauf le... Omega, elle m'intéresse toutes, sauf l'Omega. Et donc, et je drop l'Omega. Excusez-moi, mais j'ai de quoi rager quand même. Ouais, le Gotenks c'est correct, mais il rentre pas, je le mets pas à la place de l'endurance, c'est ça le problème. J'ai un petit espoir d'aide de compensation, ouais, bien sûr. Ouais. C'est bon, voilà, c'est, ouais, on repart pour une multi sans rien, j'ai l'impression. Hein. Par contre, il y a Janemba là.
Là, on en a. Allez, Janemba Agi, ça, y a pas de problème. Allez, une multi sans SSR, c'est bon. Eh bien, cette vidéo invocation va rester dans les annales, les amis. Hein. 40 minutes de vidéo, bah, en même temps, j'y peux rien. J'y peux rien, les amis. En même temps, j'avais pas prévu de tout cramer aujourd'hui. Hein. Bon, bah, un petit Shenron sur la gratuite? Non, bah, évidemment que non. Hein. Bah, non. Ah, je sais pas ce que je leur ai fait non plus. Hein. Je sais pas. C'est J3 peut-être? Non? Je sais pas ce que je leur ai fait, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Même pas. Enfin, un doublon Oméga, certes. Et puis c'est tout quoi. Concrètement, c'est tout ce que je retiens hein, pour l'instant. Imagine médaille. Imagine médaille, imagine végétalaire. Bah, il y en a plein, ça dépend lesquels. Ah là là, les multi-invocations, j'adore ça. C'est. Ouais. Même pas un coup là, que dalle. OMG, bro. Oui, Begito. Alors, oui, ça pour ça, y a pas de problème. Merci à tous, hein. On est 220 en live, c'est un truc de malade, hein. On a battu le record encore une fois. Abonnez-vous pour le soutien, parce que là, oui, j'ai eu Oméga puissance, oui. Alors, bah attendez, je vous montre ce qu'on a eu en, voilà. En combien de multi? Alors, on va pas compter les deux premières, mais ça fait quand même, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait combien? 12 multi? 12 multi. Wow. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc, voilà. C'est beau, quand même. Hein. C'est magnifique. Pas un petit doublon Kula ou ce genre de truc. J'aurais été content, tu vois, un petit doublon... Enfin, j'avais plein de choses que je voulais, hein, clairement. Lui, je le voulais. Lui, a un doublon, pourquoi pas. Lui, j'ai pas de doublon. Lui, j'en ai qu'un. Lui, je l'ai pas du tout. Voilà. Bon. Bah, les gars. C'est l'heure des tickets. Combien de DS Bah, non, plus que ça. Hein. Ah, non, attends, on a claqué. Attends. C'est 70. Après, c'est 150. Ça fait 220. Ah, oui, c'est ça, t'as raison. Ça fait 440 DS, ouais. Ça fait 440 DS. Et vieux Kai, bah c'est l'économie. L'économie et les farms chez Baba. Donc ouais, en 400 DS, ouais. Bon, cela dit, sur Omega Gogeta en août, j'ai mis 800 DS, je crois. Après, je les ai eu en double. Bon les gars, je vais pas regarder. Je regarde pas. D'ailleurs, faut que je mette une pause là-dessus. J'espère, alors si c'est Oméga Puissance, franchement, je vais chialer, je crois. Sincèrement, si c'est Oméga Puissance, je pense que je vais chialer. Ne regarde pas. Je vais chialer, hein, franchement. Putain, mais non. Et ça peut pas être Gogeta, les gars. C'est la single sur Janemba. Oh là là! Oh la délivrance! Oh la délivrance! Enfin bon, enfin oui, oui, enfin si, c'est quand même très cool parce que le doublon en haut à gauche, on l'apprécie. Enfin quelque chose, bon en plus c'est sur un ticket garanti, hein, mais. Ouh là là! C'est déjà ça, voilà, c'est déjà ça, c'est déjà ça. On est content, là c'est cool, là ça fait plaisir. Donc ça rattrape un peu le sel hein, de toutes ces multis. Sans SSR, mais comme vous le savez bien, hein, les multi-invocations et moi, hein, ça fait 3, hein, ça fait 4 même, j'ai envie de dire. Et ça se ressent encore une fois ici, hein, mais c'est déjà ça. Donc ça, c'est cool. Maintenant, deux doublons, Gogeta SSJ4, c'est bon, genre, enfin voilà. Donc maintenant, on va partir sur
ce ticket là. Là clairement maintenant je vous le dis hein, lui je, non c'est bon. Lui je, pas sur le ticket. Avant j'aurais bien aimé. Merci Kuro pour ton abonnement. Tout ça j'en veux pas. Sur les tickets j'en veux pas. Enfin sur ce ticket moi je veux le Gogeta hein, et ça permettra de sauver cette vidéo. Donc s'il te plaît le jeu, là tu me donnes Gogeta, j'oublie tout. Il y a un décalage, atteint un décalage. S'il y a Gogeta, j'oublie tout. Allez hop, let's go. Je ne regarde pas les amis. Je mets comme ça. Non, je vois rien. Donc je ne regarde pas. Je voilà. Je compte sur vous. Là c'est... Bon après c'est une chance sur 7 donc c'est un peu chaud quoi. Non mais je regarde pas là. C'est... Mais là j'en peux plus tu vois. C'est... Est-ce que je vais sauver cette vidéo? Oh non. Putain mais y'en a qui m'ont... C'est bizarre vous êtes pas en même temps en fait. Ah les gars, vous me trollez ou... Eh, je sens que vous me trollez tous en fait. Non, Hikaru, eh, Hikaru, j'ai confiance en toi, dis-moi la vérité. Hikaru, tu peux pas me troll, Hikaru, ça se fait pas. Hikaru, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Goji... Non mais, s'il te plaît, Hikaru, je te fais confiance, frérot. T'es mon modo, t'es mon seul modo, dis-moi la vérité. Je veux savoir la vérité. Non mais, Hikaru, arrête de me troller, dis-moi la vérité. Hikaru, je veux voir, je vois ton pseudo en bleu, donc t'inquiète pas, vas-y. Non mais... Mais Hikaru, eh Hikaru, non, si tu me trolls jusqu'au... Non, non, non. Hikaru. Là, franchement, tu peux pas me faire ça. Franchement, je vais être dégoûté, hein, si c'est pas vrai. J'ose pas regarder, les gars. Parce que là, clairement... Oh là là. Oh là là, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. On sauve cette vidéo invocation avec le seigneur qui tombe sur le ticket. Mais merci à tous, les amis, parce que là... Clairement, j'en pouvais plus parce que, mais de toute façon, vous l'avez vu, c'est dégueulasse, franchement. Enfin, au final, on est bien, mais c'est, enfin, c'est pas non plus un truc de ouf. Je pense que vous avez vu largement mieux sur d'autres vidéos. Oui, vous pouvez m'insulter d'imbécile si vous voulez, c'est pas grave. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai déjà fait ça tellement de fois et à chaque fois, on m'a trollé de ouf. Genre, ouais, Zama Black, je l'ai eu en off. Merci. Le jeu me respecte sur les tickets. Et vous voyez les singles, les gars. Ah, la pression là qui redescend. Parce que, bon, comme je l'ai dit, Janemba, la team extrême puissance, c'est cool. Mais bon, je vais peut-être invoquer, mais pas beaucoup. Enfin, pas là, là, on va s'arrêter là. Oui, je l'ai eu qu'une fois, hein, donc c'est cool. Hein, c'est cool, mais voilà, je suis déjà très content. Parce que faut pas trop en demander. Parce que là, clairement. T'as eu Zama Black? Non mais les gars, oui j'ai eu Zama Black, mais c'est pas parce que j'ai eu Zama Black que je dois rien dropper. Bon, mec, je sais pas si t'es là depuis le début, mais regarde la vidéo depuis le début, enfin le live, enfin quand je vais mettre la vidéo. Regarde, bah de toute façon je vais te montrer. Regarde, non mais les gens qui me disent, ouais mais t'as eu de la chance, non mais attendez. Là il y a 450 DS. Alors certes, sauf que attendez, lui, c'est tiqué. Hein. Lui, c'est tiqué. Donc en fait, en 400 DS, tu retires les deux là. Hein. Donc j'ai eu 6 SSR en 450 DS. Donc voilà, donc mais bon au final merci à tous, on est très contents. Ça remonte le moral, ça. J'oublie pas complètement la facture mais ça va. Je suis content, c'est cool. Ça fait plaisir. La meilleure méta est là, donc c'est cool. Franchement c'est très cool. On va s'arrêter là pour la VOD. Merci à tous, à ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Merci à tous, à ceux qui sont sur le live. Merci à tous. Enfin le live continue, hein, mais merci à tous ceux qui étaient là. La chance est venue sur les tickets. Donc ça fait plaisir. Donc voilà. Sur ce les gars, sur la vidéo, passez une très bonne journée. Portez-vous bien. Salut à tous.